Et bonjour et bienvenue dans ce live de Dragon's Dogma. Alors, on venait d'arriver au camp et on va faire en sorte de prendre nos compétences quand même. Parce que ça fait depuis un petit moment que j'ai pas touché à mes compétences. À prendre des compétences. Escaladeur. Réduit de moitié l'endurance nécessaire pour vous accrocher à des objets ou escalader des reliefs. Ah ben oui, oui, là je dis oui. Ça me va, très clairement. Ah mais j'ai pas la roulade, voilà pourquoi je peux pas la faire. Je suis con. Quintuple tir. Vous décochez 5 flèches. À la place des 3, mais c'est génial. Oui, je veux. Donne-moi ça. Métal hurlant, vous décochez... J'aime beaucoup le nom. Vous décochez une flèche produisant un sifflement perçant qui fige momentanément les ennemis. Ça m'aurait été utile contre le voleur que je devais attraper. Baiser mortel augmenté, ouais. Vous courez vers les adversaires avec les lames tendues. Vous pouvez ajouter des attaques supplémentaires. Souffle de Drake. Vous avancez pour envoyer l'ennemi dans les... Ouais, non. Pour l'instant, j'upgrade juste mes... oui. Pour l'instant, j'upgrade juste mes compétences actuelles. Comme ça, on est sûr. J'aimerais apprendre des compétences parce que... Il y a ma mage aussi à qui je peux donner des trucs. J'essaierai de me faire un build un peu plus tard. Alors, aura de guérison augmentée. Oui, si tu peux soigner plus vite, je vais pas te dire non. Alors, projection arcanique. Vous concentrez votre enchantement actif en une puissante rafale pouvant être tirée du sol ou dans l'air. Ok, ça me va. Convection élémentaire augmente la durée des enchantements. Oui. Volontiers. Mais t'as pas d'enchantement, si. Ouais, elle a pas d'enchantement. Donc on va lui prendre des enchantements. Hop. Charme sacré, ok. Bon bah, on n'a pas le charme obscur. Mais ça va. Ok, donc, merde, ah merde, les charmes c'est tout ce que je peux te donner, bah tu vas prendre le charme de feu augmenté, puis le charme sacré, les dégâts élémentaires, la puissance magique et la durée de l'enchantement sont, merde, non, je veux des informations sur ça. J'ai aucune information sur les sorts. Merde, bon ben, attends, charme sacré. Ouais, non, c'est la seule info que j'ai. Bon ben, ouais, on laisse. Non. On va mettre le charme de foudre, voilà. Ça, on est sûr. Niveau attaque. Ah, mais non, mais tu peux t'équiper, du coup, de tous les charmes. Ok. Alors, go. On équipe autant de charmes que possible. Merde, je fais escape. Là, ensuite. Convection élémentaire. Nickel. Voilà, c'est tout. Et on se repose, histoire d'aller au matin. Voilà. Comme ça, c'est cool. Oh putain, l'accès au serveur. Quand tu veux. Je crois en tes compétences. Ah? Est-ce que l'accès au serveur est enfin débugué et que quelqu'un a loué mon pion? Non. C'était une feinte pour que je croie que... Mais non. Mais ouais, Aya est très mal équipée. Moi aussi, il va vraiment falloir que j'aille nous faire du stuff. Hein. Ah, il y a des missions ici. Est-ce qu'il y a des missions d'escorte comme je les aime? Tuer 15 serpents, ça me va. Triompher de 5 fantômes, ça me va. Triompher de 10 sauriens, ça me va. Puis du coup, il n'y a rien d'autre, donc on va partir à Grande Sorène, hein. On va utiliser Grande Sorène. Voir les quêtes qu'on a là-bas. Et se faire du stuff. Parce que la majesté et l'amour n'habitent pas le même domaine.
C'est tout des portes à cristal, ces trucs. Je peux pas en prendre un. Alors là, il n'y a pas de mission. Le jaune, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je dois faire pour lui, non? Stone to recall the dead to living. Stone's red as blood. Strange you should mention it. I heard tell a traveling merchant found one in a cave a few days past. It may come to naught, but you might seek the stone on the shelves of Grand Soren's shops. Est-ce que tu es en train d'insinuer qu'il faudrait que je vole la pierre? Mais attends une seconde. Étant donné qu'il semblerait que j'ai réussi à me ressusciter avec un fragment, j'en avais pas trois des pierres, est-ce que je peux le ressusciter avec un fragment de gamin? Du coup, c'est moi qui dois utiliser. Je sais même plus où elle est. C'est là-dedans, hein? Non, c'est pas dans les remèdes. Qui l'a? Non, ça c'est un œil difforme. Ça ressemble pas du tout à un œil d'ailleurs, on est d'accord. Mais y a personne qui l'a? Le mec il dit, hey, cette pierre que vous avez, mais je l'ai pas. Ouais non, je l'ai pas sur moi. T'as fumé, mec. Le mec, il imagine des trucs. Cette pierre que vous avez, mais j'ai pas de pierre. Si, vous l'avez. Mais non. Calme-toi. Alors. Stuffons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Acheter. Ah oui, non, merde, j'ai déjà acheté le meilleur stuff ici. Vous avez plus moche, s'il vous plaît. Oui, donc il y a moyen d'être un soldat épée bouclier magie. Je me disais aussi. Mais le mec n'a rien de mieux. Ça me rend plus lourd. Alors non, ma mobilité, j'en ai besoin, désolé. Ouais, non, il a rien. Il a rien de mieux. Ah oui, non, mais par contre, il a peut-être mieux pour Aya. Parce que Aya, elle a un petit peu de l'équipement de merde. Ok. Donc, pas une meilleure arme. Coiffe, peut-être. Ah, ça c'est mieux. C'est moche, mais c'est mieux. Est-ce que t'as encore mieux? Alors, 65. Alors, 168, 300. 8700, les pièces. Ouais, bah non, je prends ça, hein, du coup. Chapeau de magicien. Ah, c'est moche. Que c'est moche. Alors. Ça, ça se porte en dessous. Ça... D'après le truc, ça devrait lui cacher le nombril, hein. Donc, le plus cher. En général, c'est toujours le meilleur, le plus cher. En plus, c'est vrai. Le meilleur, c'est le plus cher. Ok. Puis du coup, en niveau de tenue, ben... Non. T'as déjà le manteau déruillé, en fait. Ce serait cool par contre de me dire de quoi elle est équipée à l'heure actuelle. Parce que... Bah, elle est équipée de gants, pas de bracelet, ça c'est sûr. Elle a une moins bonne défense magique. Et une meilleure défense. Oui, ben oui, de toute façon... oui. Donc le pantalon. Le meilleur pantalon, c'est soit celui-là, qu'on a déjà. Et les bottes, il n'y a que ça qu'on peut lui mettre. Ok, la cape.
Non, mais en fait, le chapeau, je vais pas lui en prendre. Parce qu'il est moche. Oui, un peu de fashion. Hop, c'est bon, on prend ça. Ah oui. Alors. Non, non, tu ne t'équipes pas du chapeau. Elle en avait déjà en plus sur elle. Équipé, voilà. Et on équipe des gants. Voilà. Du coup, vendre. Ok, elle a rien. Toi. Tu veux ça, qui sert à rien. Ça, ça. Voilà. D'autres stuff? Oui, ça. Tout ça, là. Voilà. Et on a vendu. On va améliorer le stuff, du coup, vu qu'il peut rien vendre de mieux. Ouais. Voilà. Ah bah, je peux pas l'améliorer plus que ça. Hein. Bon, bah, j'ai tout amélioré au max. Hop, on améliore. 6000. Waouh, c'est cher. Hein, quoi? Bah, je peux directement améliorer au niveau 3 en fait. Donc, go. Oui. Niveau 3. Voilà. Ben direct niveau 3, go. Hop. Niveau 2. Ça consomme pas les autres niveaux en fait si tu upgrades directement au niveau supérieur. Bon, de toute façon de niveau 1 à 2, de toute façon, la seule différence c'est que le 2 il y a des. Des trucs à utiliser, puis niveau 1, il y a juste de l'argent. Voilà. Donc tout le stuff du personnage principal est augmenté. Elle, on va lui laisser son stuff normal. Puis on lui achètera du meilleur stuff. Voilà. Comme ça qu'on va faire. Ensuite, vérifions s'il y a des quêtes à faire. Oui, il y en a. Qu'est-ce qu'on doit faire? Demande d'escorte Mercedes à Fort de l'Adré. Eh ben écoute, oui. J'accepte. How do you fare? Do you fare? Elle a un petit accent français, hein. Donc, privé, déposé. J'ai de la merde sur moi, de toute évidence. Mort lourd. Je ne sais pas ce qui me rend aussi lourd. Ah oui, c'est ça, là. Non, pas ça. Ça. Une potion de sorcière qui rétablit l'équilibre mental d'un camarade possédé. Ça sert à rien. Jure salubre. Oui, c'est bon, on est bon là. Oh, je vais déposer ces flèches, ça ne sert à rien. Voilà. Oui, je reviendrai, t'en fais pas. Et du coup, la mission, on la finit vite. Parce qu'on en a. Directement le TP juste à côté, donc la mission qui ne sert à rien. J'ai regardé la mission, je lui ai dit non, tu sers à rien, puis je l'ai fini. Mais il n'y a pas de quoi. Pourquoi t'as autant de mal à le dire? I thank you, this very kind. Oui, ok. Ouais, level 24. En ne faisant rien, hein, j'ai juste téléporté. Bam, 24. Tiens, cadeau. Donc, on retourne à la grande sereine. On va prendre la prochaine mission d'escorte. Je l'espère ne sera pas trop chiante. Parce que je sais pas où c'est qu'il veut que j'emmène. Ouh, le beau soleil. Salut toi, tu me donnes une quête, je m'en fous de ta quête. Je fais les quêtes du tableau pour l'instant. Panneau. Alors, plage des eaux sanglantes. Je te déteste, Barnaby.
C'est là où j'ai accompagné le prêtre avant, putain. Bon bah du coup, téléportation. Utiliser. Agrandis. Voilà. Ça me fait quand même un peu chier d'avoir fail la compagne, enfin l'escorte du vieux. J'étais si près du but en plus. Près du but, mais non. Fail. Voilà. On va sauvegarder quand même. Hein. Je vais pas sauvegarder après avoir accompagné Mercedes. Sauvegardons pour ça. Plus il va y avoir des ennemis, donc faudra les tuer. Ta gueule. Merde. T'es moins comique que ce que je pensais, mon grand. Ouais, 1100 d'XP. Ah, mais merde, quoi. Dans ta gueule. Merde, non, non, c'était pas une bonne idée. Vite, relève-toi. Non. Le gros fail. J'aurais peut-être dû juste prendre un truc pour régénérer ma stamina, là. J'ai fait le con. Rien ne vaut la recherche lorsqu'on veut trouver quelque chose. Waouh. Vous voyez les blagues carambars? Ça, c'est le genre de dicton qu'on trouverait dans un carambar s'il donnait des dictons. Hein? En fait, c'est du niveau salut. C'est du niveau pas de pitié pour les croissants. Vous savez, le genre pour parler, utilisez votre langue. C'est le même niveau. En fait, ils l'ont pris à pas de pitié pour les croissants, ce truc, j'en suis sûr. Tout s'explique. Bordel. Ah, on va mettre une pêchée. Je te baise, mon grand. Oui, une flèche de feu dans l'œil, ça doit faire mal. Non ! Gros con ! On se soigne. Ça sert à rien, les noix. Les plantes, au moins, ça sert. Debout. Donc par contre ils m'ont dit ah ouais du coup ouais ça marche, je peux faire les roulades. Puis ça consomme pas de stamina. Ok. Non cul. Voilà. Escape tab, on sauvegarde. Voilà. Et on va accompagner le grand en essayant de pas attaquer le... Non, c'est un dragon, c'est pas une vivre. Vivre en français. Venez, venez les gars, venez. Très bien, très bien. Le dragon, pourquoi, comment? Aya, calme-toi, tout va bien. Nous devons empêcher qu'il lui arrive. Oui, ben t'en fais. Ah, des excréments animaux, un cerf peut-être. Alors, doit y avoir. Non, il n'y a pas de cerf dans le jeu, je suis presque sûr. Donc, arrêtez de remarquer les excréments, s'il vous plaît. Mais encore une fois, j'ai pas pris la pierre. Je me suis téléporté, je sais que par là-bas, il y a la source d'eau de vie, là. Mais j'ai pas pris la pierre. J'ai pas pris le porte-à-cristal avec moi. Gros con.
Est-ce qu'on peut sauvegarder? Non. Parce que je considère que je les ai déjà vus. Donc, je vais les attaquer. Alors. Vas-y, dans l'eau, comme ça. Ici, je suis un immortel. Arrête de te protéger, s'il te plaît. Non, mais arrête de te protéger, s'il te plaît. Joli. J'ai épuisé. Non mais je vous emmerde les gars. Là-dedans je me régène à l'infini. Alors franchement, je vous emmerde. Voilà. Y'a rien à prendre. Et il a rien laissé tomber. Hop. Hop. Ensuite toi là. Waouh, mais la masse de vie! Ou alors c'est vraiment que mes attaques sont très très faibles. C'est sûrement ça. Dans ta gueule. Donc. D'accord, tu es toujours là. J'ai eu peur pendant 2 secondes, j'ai cru que t'étais mort. Vite sauvegarder, oui. On va réussir à l'amener à la côte sanglante. Je sais pas par contre si j'ai la prétention de me faire les cyclopes en chemin. Ça je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait que j'évite. Mais on sait jamais, ça peut marcher. Quoi qu'on remarque, il y a 2 cyclopes quand même. Hein. Puis la dernière fois que j'ai combattu un cyclope, j'en ai chié pour le tuer. Alors ça m'a pris beaucoup de flèches. Ah mais ta gueule. Voilà, je tire 5 flèches dans la gueule, pas de problème. Ouh, le beau headshot. Oh, mais il y a combien de gobelins? Il y a que des gobelins ici. Hop. Voilà. Mais bordel! Gobelins encore, c'est toujours des gobelins. Crevez, crevez, crevez s'il vous plaît. Quintuple flèche. Voilà. Quand même. Aya, crève pas. Mais il y a encore plein de gobelins. Mais ils sortent d'où? Qui les pond? Il y a une usine à gobelins à côté? Je vois rien. Il me parle pas, Barnaby. On est en plein combat ici. Voilà. Là, il n'y a plus de gobelins. Je crois. Ouais, non, il n'y a plus de gobelins. Merde, par contre. Journal. Non. Là. Quand même afficher où est-ce que je dois aller. Hein. Ça peut aider. Merde. Oh, oui, peut-être que je vais pouvoir... Oui, là, voilà l'idée. Ouais, comment je... Comment je tire? Comment? Non. Ah d'accord, c'est F pour tirer. Dans ta gueule! D'accord! Le mec, ça lui fait que ça. Je lui tire des flèches explosives dans la gueule. Là, regardez les dégâts que ça lui fait. Bah attends, et eux? Ça leur fait quoi? Ah, quand même! Le petit passage tourelle, hein. Merde, loupé. Si je vise l'œil... C'était pas l'œil, c'était la main. Vas-y, tire, tire, tire. Oui. Vas-y, tire, tire, tire. Vas-y. Voilà, merci. Allez me débarrasser de ce gobelin, s'il vous plaît. Débarrassez-moi.
Merci. Oupsie! Oh, le gros fail. Oh, le fail. Bon, ils ont du mal à prendre cher, les cyclopes. Hein. Donc, fuck it. On va juste amener le mec où il faut. On terminera le live là, parce que... Ouais, ils prennent rien, les mecs. Non, je les massacrerai pas. Tu ne m'y forceras pas. J'arrive. Attention, les gobelins. Oui, bah, je vous demande de venir, pas de les attaquer. Feu, confère-nous ton baiser. C'est bizarre, tout le monde. Il reste encore des monstres. Je m'en fous, vous venez. C'est un endroit idéal pour une embuscade. Prudence. Il n'y a jamais d'embuscade ici. J'ai venu des tonnes de fois ici sur la... quand je jouais sur la PS3, il n'y a jamais rien ici. Aucun ennemi. Voilà. On a fini d'accompagner le mec. You have my deepest appreciation. Mais c'est toi que je remercie. Parce que du coup, tu me donnes de l'XP et de l'argent. Donc ça me va. C'est beau. 3000 XP, 5000 d'argent. Petite vérification. Statut. Ah, il manque très peu de points de classe si c'est bon. Hein. Je sais plus comment on gagne des points de classe par contre. Bref. C'était tout pour Dragon's Dogma pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir suivi. Et merci aussi d'avoir regardé la vidéo si vous le regardez sur YouTube. Allez. Bye bye.